Last December, heavy metal band damage plant took the stage at the El Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. What? La nouvelle s'est répandue comme une traînée de foudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th. All right, all right, all, right, all, right, all right. bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime, à mes oreilles, c'est ici si, Alex, aujourd'hui je suis en compagnie de mon cher collègue Philippe, comment Salut, ça Alex. va Philippe Ça va bien et toi Ça va super bien, merci, merci. Oh. Hier je t'aurais dit ça va comme un lundi. Comme un lundi, ça reflétait avec le thème, hein? Ouais. <laughs> ça reflétait que le thème de, de, de la balade de cette semaine Absolument. Yes, toi, yes. Est-ce est que t'aimes bien les lundis, toi, Alex? Euh, personnellement, je suis un peu indifférent. Ah ouais, ok. Ouais, c'est une, une journée comme une autre. Hein. Ah, ok, ok. <laughs> Mais j'haïs pas ma job, c'est pas si pire. T'sais. Ouais, ouais, je comprends. J comprends. <laughs> je comprends. Je comprends pour ceux-là qui n'aiment pas leur travail, comme certains que je connais. Euh. <laughs> il, euh, il, ça se peut que le lundi soit rough après ta fin de semaine de dire ah oh, faut que je retourne au boulot puis me retaper ouais. une autre semaine on fera un petit sondage peut-être tout à l'heure pour voir si les gens aiment bien ouais, le, sur Spotify, le... vous, irez, vous ouais. irez voter sur Spotify <rire> ok <rire> alors Philippe de quoi, de quoi tu nous parles cette semaine I don't like Mondays donc, euh, c'est le titre de la chanson. C'est une chanson d'un groupe qui s'appelle les Boomtown Rats. Yes. Alors, est-ce que tu avais déjà entendu parler des Boomtown Rats euh, Non, pas avant que euh, j'entende parler de cette chanson-là. Ouais. Alors, ça m'étonne pas trop parce que c'est un groupe très européen. En, en Europe, c'était assez grand à un moment, mais euh, je ne sais pas, en Amérique du Nord, ils n'ont jamais vraiment percé. OK. Donc, c'est un groupe euh, irlandais qui a été fondé en 1975. C'est un groupe qui va exister jusqu'en 2013, donc longue vie, mais ils auront un break, un hiatus euh, de 1986 à 2013. Donc, ils euh, ont fait quand même une longue pause. Quoi. <laughs> une longue pause avant d'en mourir. <laughs> ouais, euh, voilà. C'est euh, un groupe qui a quand même eu beaucoup de succès, surtout en Europe, et un petit succès en, en Amérique du Nord. Hein, C'est le. Premier groupe ont, qui est considéré comme euh, un groupe de new wave en Grande-Bretagne. Ils okay. arrivent assez tôt. Alors, les, les membres du groupe ne sont pas très connus, sauf le chanteur qui s'appelle Bob Geldof. Et Bob Geldof, vous le connaissez peut-être comme étant l'initiateur du Band Aid. Et puis, euh, bah, subséquemment, il a aussi organisé le Live Aid, qui est un concert mythique dans, dans l'histoire de, de la musique. On le voit notamment dans Bohemian Rhapsody, le film sur Queen. Enfin, il y a plein de plein de très 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 grandes stars qui étaient dans le Band Aid comme Bob Dylan comme Michael Jackson pas, pas, pas. tout le monde était là quoi à l'époque Bruce Springsteen c'était un genre de Woodstock mais. alors c'était <laughs> un, un Woodstock et le Band Aid c'était uh, USA for Africa donc c'était uh, le, le début du, du comment on va dire de la charité dans le rock ou en mm -hmm. tout cas de, de une organisation très très structurée ça, de, la, de la charité dans la ça a le même, quasiment le même impact d'événement de, de, que, que, que Woodstock, que Woodstock là, par rapport à, à la grandeur des artistes qu'il y avait là. Euh... Oui, c'est ça. Il y avait effectivement tout le monde était là dans, dans le, le band-aid. Et alors, le, enfin, le, la figure emblématique, ce n'était pas le plus connu de tous, mais c'était Bob Geldof, le chanteur des Boomtown Rats. Et à un moment, en fait, à partir de 86, il a arrêté les Boomtown Rats parce qu'il s'est consacré essentiellement à tout ce qui était charité. En fait. OK. Et alors, euh, pour les cinéphiles, c'est aussi l'acteur principal d'un film qui s'appelle The Wall. Et c'est le, le film, c'est un film d'Alan Parker, qui est l'adaptation cinéma de, de l'album The Wall de Pink Floyd. Donc, il joue, euh, il joue ce, le rôle de ce musicien dépressif. Enfin, c'est un film très, comment, un peu daté, je pense, mais euh, un film un peu, un peu surréaliste, un peu absurde et très, très angoissant et Bob Geldof est ah, c'est bon. quelque chose ouais, tu l'as vu <laughs> ouais j'ai vu ça ouais, ça, ouais, fait, okay, okay. ça fait très très longtemps là. je pense à l'adolescence mais ouais. euh, je me rappelle de scènes marquantes oui c'est marquant oui <laughs> c'est un film à voir oui oui franchement c'est un film c'est un film intéressant on bah, déjà pour la musique mm -hmm. Et donc, les Boomtown Rats, ils ont fait un succès. Enfin, ils ont fait plusieurs succès, mais le, le plus grand succès ou l'un des plus grands succès, c'est « I Don't Like Mondays ». Donc ça, c'est un morceau qui est sorti en 1979 sur l'album « The Fine Art of Surfacing ». Et ça, c'est le troisième album du groupe. Et c'est le deuxième aussi en termes de vente. Ils en ont vendu 200 000 exemplaires. Donc, ouais, ce n'est pas, pas gigantesque si on compare ça aux grandes stars, mais c'est respectable, hein, 200 000 exemplaires vendus. Ouais, c'est très respectable. Alors, la chanson I Don't Like Mondays, elle est très catchy, elle est très dynamique. C'est vraiment une chanson de quand tu l'écoutes, tu, tu, tu vas la chantonner. C'est plutôt en, dans, dans la musique une chanson assez feel good. Mais en fait, <coughs> pardon, ce, ce feel good, ça contraste vraiment avec euh, des paroles qui paraissent, quand tu les écoutes pour la première fois, si tu ne fais peut-être pas attention, tu as juste l'impression que c'est quelqu'un qui n'aime pas les lundis. Et puis quand tu écoutes les paroles, tu te dis, tiens, il y a quelque chose d'étrange dans, dans ses paroles. Un peu plus de Ouais, c'est ça. Et euh, <laughs> les premiers mots, c'est The silicon chip inside her head gets switched to overload and nobody's gonna go, go to school today". Comme au, comme au Québec, mais pour <laughs> d'autres. <raisons. rire> She's going to make them stay at home. Donc, euh, en, en français, ça donne "la puce en non, pardon, la puce en silicone dans sa tête bascule en surcharge. Et personne n'ira à l'école aujourd'hui, elle va les faire rester à la maison. Donc, on parle d'elle, hein, on comprend qu'on parle d'une fille. Mmh. Et la fille dont on parle, elle s'appelle Brenda Ann Spencer. Alors, Brenda Ann Spencer, elle est née à San Diego, en Californie, le 3 avril 1962. Elle a grandi dans un milieu va... modeste, même très modeste, auprès de son père qui s'appelle Wallace Spencer. Donc, les parents de de Brenda sont séparés, Brenda vit avec son père le père donc voilà c'est alcoolique il est abusif alors on sait pas jusqu'où il est abusif parce qu'il y aura beaucoup de versions euh, dans, dans, dans l'histoire mm -hmm. mais bon en tout cas c'est pas euh, c'est pas un père parfait ça c'est sûr et il transmet à sa fille sa passion et sa passion ce sont les armes à feu <rire> <rire> ça commence mal yes sir. <laughs> voilà il vivent dans une très petite maison. Ça fait et... souvent un bon mélange, tu sais, alcool, comportement abusif, voilà armes arme à feu, feu. <laughs> ouais. Attention Beaux mix. Et, et la, drogue, mix mais... la drogue arrive, <laughs> la drogue arrive. Ah, <laughs> oh, le, le trio complet. <laughs> oui, tout à fait. Alors la maison, c'est une petite maison dans laquelle ils vivent, une vraiment très petite maison qui semble-t-il est très négligée, un peu sale. Ils dorment à deux sur le même matelas, un grand matelas sur le sol du salon et voilà ben comme il, il est alcoolique évidemment il est souvent ivre à l'école Brenda n'a pas d'amis elle est considérée comme une fille bizarre elle est très souvent absente mais par contre elle est quand même pas idiote et elle est douée pour euh, certains cours notamment les cours artistiques et il semble que ce soit une très bonne photographe mais ça ça arrive souvent avec du monde qui sont un peu euh un peu tout ou euh, qui, ont, qui ont des, des, des sentiments qu'ils gardent. Elle doit beaucoup garder l'affaire en dedans, fait que ça sort dans l'or. Puis euh, tout ouais. ça, puis ce côté-là, que aussi, tu qu'elle doit se sentir rejetée à l'école, ça l'aide pas. Puis en ouais. plus, le, son milieu familial doit se refléter sur, euh, sur elle, fait qu'à l'école aussi, les gens doivent juger ça. Là. Ça doit être ouais. assez rough. Là. Et dans son, enfin, dans son, dans sa silhouette, enfin, j'en je parlais un peu plus tard, mais aussi elle est un petit peu décalée, tu vois. Donc euh, c'est pas quelqu'un, on va dire c'est pas quelqu'un d'avenant euh, mmh. physiquement. À l'été 78, elle est arrêtée pour avoir tiré dans une fenêtre et pour un cambriolage. Elle a, elle a 16 ans. Hein <laughs> sa, sa santé mentale est très précaire. Et donc, on parle de dépression, par exemple, mais pas que ça. Mais en tout cas, il y a, il y a de la dépression, ça, c'est certain. Euh, elle est très vite transférée dans une école, dans une autre école, pour des jeunes en difficulté. Okay. On a quand même ouais, observé qu'elle avait des problèmes. Euh, on note des tendances suicidaires, des, des signaux de dépression. Mais le père refuse que sa fille aille en thérapie. Lui, il dit, euh, les psy ça ne sert à rien. Donc, euh, ma fille ne sera pas une suivie. Famille. Par un psychologue. Voilà, exactement. <laughs> en 1979, donc elle a toujours 16 ans, c'est le début de l'année, en janvier. Euh, donc là, elle mesure 5 pieds 2. Elle est très, très maigre. Elle est très pâle. Elle a des cheveux roux, des très grandes lunettes. Elle va pas bien. À ce moment-là, elle va vraiment pas bien. Elle consomme beaucoup d'alcool, surtout du whisky. Et elle prend des drogues, dont, alors je ne sais pas si on dit du PCP ou du PCP. Ouais, le PCP, Ouais, PCP, donc la, la... Enfin, cyclidine ouais. qui est donc, à l'origine c'est un produit anesthésiant. Ah, pour mais les, les chevaux, effets, me semble. Mais, alors non, non, ça c'est autre chose. Attends. Euh, non, ça c'est la kétamine. Ah oui, kétamine, oui. La kétamine, ça j'en avais parlé dans un de mes épisodes du scénario du pire. <laughs> mais en gros c'est la même chose. Là c'était pour les humains, mais on s'est vite rendu compte que les effets secondaires étaient trop forts. Parce que le produit pro a plein d'effets secondaires, de l'agitation, des, de des hallucinations et même voilà, des états modifiés de conscience qui amenaient les gens à des comportements très irrationnels. Mmh. Donc tu vois le, le cocktail mmh. qui est en train de se former. Tout, tout pour que ça se passe bien. Voilà. Et donc euh, bah, c'est Noël. Et comme cadeau de Noël, qu'est-ce que son père lui offre Une Il lui belle offre... passion. Sa première arme à feu, je guess. Exactement. Un fusil à lunettes Ruger, semi-automatique de calibre 22, avec 500 munitions. <laughs> voilà. C'est vrai que c'est un, un pas réfléchi. <laughs> ouais. euh, Brenda, elle est très douée pour, les pour le tir, en plus, parce qu'elle a déjà gagné des concours de tir. Donc, mm -hmm. on a quelqu'un qui est dépressif, dans des états modifiés de conscience... Euh rejetée, on va dire rejetée par la société et qui maintenant un, 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 totalement pas aimée par personne. Voilà. Et donc elle essaye d'apparaître intéressante auprès de, de ses camarades de classe et elle dit qu'elle va abattre un policier. Et puis elle va aussi se vanter que bientôt elle va réaliser quelque chose. Alors c'est assez vague ce qu'elle va dire, mais elle dit qu'elle va réaliser quelque chose de grand dont on parlerait à la télévision. Donc voilà, tout, euh, tous les ingrédients du désastre <laughs> sont là. <laughs> Ça s'annonce bien. Et le désastre arrive le 29 janvier 1979. Donc ce jour-là, elle, elle dit à son père qu'elle ne va pas aller à l'école parce qu'elle se sent patraque. Son père part, je pense que son père travaille, mais je n'ai pas, pas vraiment vu ce que faisait son père. Mais en tout cas, bon, il quitte la maison très tôt. Vers 7 heures, il quitte la maison et elle reste à partir de 7 heures du matin seule à la maison. Vers 8h30, elle entend le bruit des enfants qui s'amassent devant l'école, parce que l'école, c'est en fait en face de, de chez eux. Mmh. Et les enfants sont devant le portail, parce que vers 8h30, plus ou moins, le directeur ouvre le portail de l'école. Donc, il y a vraiment voilà, plusieurs enfants. La Brenda s'installe à la fenêtre, et l'école, c'est la Grover Cleveland Elementary School. Il y a déjà des dizaines d'enfants qui attendent. Brenda prend sa carabine. Et elle commence à tirer sur les enfants. Et les, en... et les enfants vont se figer de peur plutôt que de fuir tout de suite, parce qu'évidemment, pour eux, ça veut. Enfin, le contexte est, est difficile à... À... à comprendre. Elle va blesser huit enfants dans l'attaque. Il y a le directeur. Enfin, je ne sais pas si, on... si vous dites en... au Québec, vous dites le directeur ou le principal Le directeur. OK. Donc le directeur qui s'appelle Burton Ragg, euh, sort pour essayer de mettre les enfants à l'abri. Il est touché et lui va mourir. Puis un, un employé de l'école, un concierge qui s'appelle Mike Suchard ou Suchard, qui voit le principal Rag qui est inconscient et qui saigne, et il va lui porter secours et pour le mettre à l'abri des tirs, mais malheureusement, lui aussi est touché et lui aussi meurt sur le trottoir. Alors, j'ai vu deux sources, il y en a qui disent que, que Suchard allait porter secours au, au directeur et d'autres qui disaient qu'il allait porter secours aux enfants, mais enfin... Voilà. À la limite, peu importe. Un des, un des deux, il a essayé de faire de quoi d'héorique, puis euh, voilà, voilà. il est malheureusement mort en blessé. Oui. Donc, tout de suite, hein, il y a des policiers qui sont alertés. Il y a, euh, ils arrivent sur les lieux et elle va tirer sur un policier. Elle va le toucher au cou, euh, à la nuque, je ne sais pas exactement où, mais malgré euh, bah, un tir très mal placé, il survit euh, à, ce, à ce tir. Et elle continue à, à tirer. Et il y a un policier qui a vraiment un, un bon réflexe. Il y a un camion poubelle qui est pas loin. Et donc il va demander au camion poubelle de se déplacer et de se mettre entre la maison de Brenda et l'école. Donc ça fait une sorte de bouclier. Et grâce à ce bouclier, les policiers vont mettre tous les enfants à, à l'abri. Un bon, euh, bon call. <laughs> Ouais, Oui, oui, oui. Donc bon, bien, bien réfléchi. Quoi. Ouais. Il y a encore des renforts qui arrivent, il y a le SWAT qui arrive. Et au moment, donc, euh, au moment où le SWAT arrive, ça fait 16 minutes que, que l'attaque a commencé c'est quand même très long hein. ouais 16 minutes c'est quand même long ouais. c'est sûr, sûr, sûr que c'est sûr que tout le temps que le, le monde réagisse que le monde s'en vienne qu'on appelle le SWAT c'est sûr que ça, ça prend un temps mais que l'attaque dure aussi longtemps que ça c'est quand même long c'est très long et euh, elle a tiré 30 cartouches et donc elle a un fusil à lunettes hein, donc tu vois la précision hein, qu'il peut, qui peut ah, y elle peut avoir elle peut bien visée, en, en, en... Ouais, 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 ouais. ouais parce que avec 30 cartouches elle a touché 11 personnes. Hmm. Tu vois, donc, euh, c'est quand même, je veux dire... C'est quasiment 50-50. Un... Ouais, c'est ça. <laughs> faudrait... Et donc, elle va se barricader voilà. chez elle pendant 7 heures. Et là, il y a bah, des négociateurs qui commencent à discuter avec elle, mais il y a aussi un moment, genre, je sais pas comment elle a fait, mais il y a une journaliste qui trouve son numéro de téléphone et qui l'appelle. Et elle décroche. Et euh, la journaliste <laughs> lui demande pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et elle répond Je bah, j'aime pas les lundis. Donc, euh, sa, sa, sa réponse, sa justification, c'est je, je cite hein, ce qui était écrit dans l'article, c'est je l'ai juste fait pour le plaisir. Je n'aime pas les lundis. Ça anime la journée. Je dois partir maintenant. J'ai tiré sur un policier et je pense que je vais en tirer davantage. Je m'amuse trop. Voilà, ça, c'est ce qu'elle a déclaré à la journaliste. C'est vrai que ça va bien. Oui, oui, oui. Alors, quand elle parle elle, de... elle, là, elle a l'impression elle de vivre pour une fois. C'est ça oui. ce qui arrive aussi, tu sais, avec toute l'adrénaline qu'elle doit ressentir. Elle oui. se sent tellement renfermée tout le temps, elle, là, elle se sent puissante, puis qu'elle a le contrôle. Puis... Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh... bon, finalement, le. le, le... Oui, c'est ça, elle est dans, dans un trip où elle, elle veut tirer davantage. Quoi. Elle veut continuer ce, ce truc qu'elle a commencé. Et c'est ce, ce, cette interview que, que Bob Geldof a lue. Euh, sur, un, sur un journal, je pense, ou en tout cas, il a, il a entendu le contenu de cette interview et il a écrit la chanson quasiment instantanément sur base de l'article. Et donc, le, le, le refrain, de, Tell me why I don't like Mondays, I want to shoot the whole day down. Voilà, je, je, dites-moi pourquoi. Bah, je n'aime pas les lundis et je veux tirer toute la journée. Mais bon. Malgré ce qu'elle vient de dire, les négociateurs de la police arri arrivent à la convaincre de, de se rendre. Et alors, ils le font en fait en lui promettant que si elle se rend, elle recevra un burger de chez Burger King. <laughs> Et qui peut résister à ça, quoi <laughs> C'est pas euh, coup, elle... <laughs> eh Non, 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 non. <laughs> mais peut-être à 16 ans. <laughs> voilà, je... Wendy's, je dis pas, mais Burger King. Soyons sérieux. <laughs> une bonne boulette carrée, là. Voilà. Uh, alors quand même. We, Co sont... um... Ouais, ouais, ouais. <laughs> mais bon c'est en fait, ça qui est bizarre dans cette histoire c'est que cette histoire, elle est horrible et qu'il y a des éléments cocasses dedans. Mm -hmm. Même sa réponse, même son interview, tu vois. ce, bah, J'aime pas les lundis. Ça ressemble. Euh, ça res... on, on, on se croirait dans Wednesday, qu'on dirait Wednesday Adams. Pas mm -hmm. <laughs> ah, mercredi Adams, ah, oui. à... ouais. Oui, oh, exactement. <laughs> et donc, chez elle, les policiers vont tout de suite rentrer, ils vont trouver des bouteilles de bière et de whisky qui pardon, partout dans la maison, mais ils vont penser, constater que, que Brenda Spencer n'est ne, pas en état d'ébriété au moment de son arrestation. Et il y a des tests qui ont été faits qui ont révélé un peu plus tard, mais qu'elle n'était pas non plus intoxiquée. Donc elle n'était pas sous l'effet de, de drogue au moment de l'attaque. Elle était de... C'est ouais. le matin, elle était sobre. Vient de se lever. Petit café. Oui, ouais, c'est ça. Non, il n'y a, y a pas vraiment zéro alcool. Alors, la bonne nouvelle dans ce massacre, c'est que les huit enfants qui ont été touchés ont tous survécu. Donc, ça, c'est. Dans, dans ce, cette tragédie, il y, y a quand même cet élément positif c'est qu'il n'y a pas d'enfants qui ont été tués par Brenda Ann Spencer. Après, il y a des blessures. Il y a une blessure à la poitrine il y a des blessures qui sont quand même assez, assez graves. Euh, mais voilà, y a une... ces enfants survivent et donc le, le pire du pire a été évité aussi peut-être grâce à ce camion poubelle. Mmh. Ah, est Elle est c'est sûr. c'est ouais, ouais, ça. Tu vois, donc euh, après il y a le directeur, il y a le concierge qui sont décédés. Donc c'est quand même un, une tragédie. Il euh, faut pas oublier les, les victimes, les victimes adultes, mais voilà, faut quand même signaler que les enfants ont, ont survécu. Euh, Brendan Spencer va plaider coupable. Donc aux États-Unis, quand tu plaides coupable, il n'y a pas de procès. Il y a tout de suite une, une discussion sur la peine. Elle est condamnée à perpétuité avec la possibilité de demander une libération sur parole après 25 ans. Mais pour l'instant, toutes ces demandes, il y en a eu plusieurs, ont été euh, refusées. Alors après l'incarcération, on va constater qu'il y a une lésion au cerveau de, de Brenda. Donc elle a eu un accident de, de, de vélo, je ne sais pas quand. Euh, et alors, on voit souvent... Euh, chez les titres, les lésions euh, au cerveau. On pourrait euh, voilà, penser que les traumatismes crâniens pourraient amener un comportement ça, comme ça. Est, euh, à au se moins un trigger. Quoi, ouais. ah, euh, si pas ça. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est la, ch la chanson est sortie trois ou quatre mois ou cinq mois après l'effet. Okay. Ah, donc, euh, c'est rare. Tu vois, un trigger et puis six mois plus tard, boum, tu as la chanson. Et en plus, c'est une chanson un peu happy, comme ça, donc un peu décalée. C'est un, Et... un choix intéressant de s'enligner comme ça, dans, ouais. de raconter. C'est comme il y a un groupe à Montréal, Rouge Pompier, qui ont fait une chanson sur, sur le suicide qui s'appelle Paul. Ouais. C'est une grosse chanson sur, sur <coughs> quelqu'un qui est dépendant au jeu qui, qui s'est suicidé, mais c'est un gros beat joyeux. Puis une chanson super joyeuse avec quasiment des gros euh, gang vocals là-dedans ah ouais. à l'intérieur pour amener comme une, un, un effet de fête. <laughs> oui, c'est ça. Ouais, c'est pareil ici. C'est ouais, vraiment pareil. Et d'ailleurs, je vais signaler un truc. Euh, J'en profite. Euh, si vous allez sur Spotify et vous cher cherchez Balade meurtrières, vous allez retrouver la playlist avec toutes les chansons dont on parle dans les Balades meurtrières. On ah. mettra aussi des liens peut-être en story et sur le Discord. Mais oui, bah oui. Voilà, donc je vous encourage à écouter la chanson. Alors la chanson, elle est, elle est vraiment bien, mais voilà, je vous donnerai <laughs> un avis un peu plus tard, mais ça, ça pose question quand même. Oui, oui. Et alors, comme ça a été écrit vraiment à chaud, sans, sans regarder les faits de loin, sans. sans... Donc il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'analyse, évidemment, c'est vraiment écrit sur base d'un article. Le... Il prend des. Enfin, il fait des, sortes, des hypothèses, et notamment des hypothèses sur le, les parents dans la chanson, et donc il dit « Daddy doesn't understand it. He always said she was as good as gold and mother feels so shocked father would be... Uh, pardon father's world is rocked and their thoughts turn to their uh, own little girl. » Donc euh, papa ne comprend pas, il dit que sa fille a toujours été aussi bonne que de l'or et maman est si choquée le monde de papa s'effondre et leurs leur pensées vont à leur petite-fille et donc, ça donne un, un peu une image positive comme ça de parents qui seraient des parents… pas mal le contraire, non Ouais, exactement, tu vois. Et puis, dans les années euh, qui, ont, qui ont suivi, euh, Geldof a, a dit qu'il avait regretté euh, d'avoir écrit cette chanson. Alors, pas, pas forcément pour le ton de la chanson ou pour des, 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 des phrases en particulier, mais parce que ça avait euh, mis Brenda Spencer dans la lumière. Et il avait, voilà, il dit qu'il regrette de l'avoir rendue, entre guillemets, célèbre. Avec, ce, avec cette chanson-là. Ouais. Après, tu vois, c'est un school shooting. Euh, un, je pense que c'est le premier. C'est le, le, le premier considéré euh, comme C'est ouais. le premier. Puis euh, je pense que. Je ne sais plus si j'avais entendu ça dans quel podcast, mais il disait que, aussi qu'à chaque fois qu'elle entend qu'il y a, qu a d'autres tueries dans des écoles comme ça, elle se sent responsable de. De, ouais. de, de ça, parce que vu que c'est la première, comme avoir été considéré avoir fait ça. Effectivement, c'est dans le podcast Tricoteuse en série que tu as entendu ça, parce qu'elles ont, elles ont traité euh, l'affaire. OK. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, on vous recommande. Hein, Tricoteuse en série, on aime bien. Ben oui, ben oui, on les a reçus en plus euh, sur le 24 ben oui, heures. Oui, pour 24 heures, absolument. Et donc, oui, comme je le disais, c'est une chanson un peu légère, hein, compte tenu des faits. Ça. Peut, parfois on peut s'imaginer que tu as des gens qui vont chanter en sing long ce, ce, ce refrain ou, ou même peut-être mettre je sais pas moi, cette chanson dans des mariages c'est possible mmh. donc voilà c'est un peu c'est un peu étrange euh, alors 14 ans après les faits elle a demandé une première euh, euh, pardon non excuse moi 14 ans après les faits elle a demandé un nouveau procès euh, en disant qu'en fait elle était sous l'effet de la drogue et que les tests toxicologiques ont été falsifiés à l'époque. C'est peu probable que, que ce soit vrai, c'était probablement une manœuvre, et donc ça lui est refusé. À partir de 2001, elle peut commencer à faire des demandes de libération. Elle en fait une en 2001, 2005, 2009. Les trois sont refusées, et en 2009, elle a, elle a raconté une histoire qui est tellement invraisemblable qu'elle a une sorte de sanction qui lui interdit de, de demander une nouvelle libération pendant dix ans. La dernière demande qu'elle a faite, c'était en 2021, ça a été refusé aussi, donc elle est toujours en prison. Et à chaque fois qu'elle fait une demande de libération, elle change un peu sa, sa version. Ça ne euh, doit pas version... aider à réussir. Non, à ça, pas du tout. <laughs> ça fait ouais, Mais on ne un... peut pas vraiment le croire. Il <laughs> y, y, y a un truc, euh, euh, j'en avais parlé dans un, dans un épisode du scénario du pire. Il y a un, un truc par rapport à la libération conditionnelle. En fait, c'est quasiment impossible d'avoir une libération sur parole aux États-Unis si tu n'es pas simplement dans la, la reconnaissance de ce que tu as fait et l'expression le, d'un regret profond. Mmh. Et en, dans la justification, bien si tu dis tu es innocent, en fait, tu ne sortiras jamais. Donc il y, y a un seul moyen, c'est vraiment reconnaître les faits et assumer, euh, et, assumer et regretter euh, sincèrement mmh. ou avec l'illusion de la, la sincérité. Et donc, ça que, que ça soit vrai là. <laughs> <laughs> en, ouais, en, en espérant que quoi, pardon J'ai dit en espérant que ça soit pas juste une illusion, que ça soit vrai. <laughs> oui, oui, oui c'est ça. Oui, oui. Bah, ouais, après, chez les psychopathes, hein, ils peuvent parfois donner l'illusion de. Il ouais, y sincerely. en a qui sont bons pour ça. Mais <laughs> quand tu regardes les interviews de Brenda Spencer, il y en a pas mal, sont faciles à trouver. Elle a, elle a toujours un petit sourire quand elle parle. Alors, ça peut être un sourire de timidité, je sais pas très bien, mais il y a quelque chose chez elle qui. Ça amène d'un côté dérangeant un peu. Oui, c'est ouais, ça. ça ouais. elle, met, elle met, un peu mal à l'aise. C'est un, un tout petit, morceau de femme. Mm -hmm. Mais euh, voilà, il, ça ne ressemble pas quand même à du regret, à du regret sincère. Mm -hmm. Et en 2025, quand elle pourra demander voilà, la prochaine fois sa libération sous parole, elle aura 64 ans. Mais moi, je tiens le pari que ça sera à nouveau refusé. Voilà. On s'en <laughs> donne des nouvelles à ce moment-là. Ouais. Oui, exactement. On fera, on fera un follow-up. Oui, parfait. Voilà. Fait on Donc... n'a pas le choix. On continue jusqu'au moins 2025. <laughs> ouais, j'en ai, ai 30, des balades meurtrières. Et alors, je ne sais plus si c'est la cinquième ou la sixième. Ouais. enregistre. Fait. Pour l'instant, j'en ai 30. Mais bon, peut-être que les auditeurs oh, oui. vont commencer à suggérer. J'ai vu des choses passer, d'ailleurs. il ouais, y en a, a quelques-uns qui suggèrent là, dans le, dans le Discord ouais. hein, qu'on vous invite à… À rejoindre. Euh, Puis euh, un peu partout hein, aussi, qu'on peut, on peut nous rejoindre. Là, Twitch, quand on est en live, à chaque fois qu'on enregistre. Il euh, y, a, y a Patreon aussi, que tous nos épisodes sont là d'avance. On a maintenant notre boutique en ligne. Il va falloir qu'on fasse de quoi pour les balades meurtrières. Oui, j'aime bien les trucs de la boutique en ligne. Et c'est vrai qu'on a un beau petit logo pour les balades meurtrières, donc on pourrait, on pourrait peut-être refaire un peu de merch pour ça. Ben voilà. mais oui, mais oui, éventuellement, il faudra en faire pour panclater aussi. On, oui, oui. On a, on a du, du boulot à faire sur ce côté-là. <laughs> Bientôt Noël. Hein. Mais oui, ça arrive, ça c'est un beau cadeau là. <laughs> mm, absolument. Bon, et Philippe, où est-ce qu'on peut suivre tes, tes choses toi aussi encore? Alors sur du bruit à mes oreilles déjà. Ouais. <laughs> Donc, ça, encore la collaboration commence à, à, à compter quelques épisodes, hein. je pense que si on compte tout ce qu'on a fait ensemble, ça doit être le huitième. Euh, pas mal. Huit, bon. quasiment, pas, pr près de dix. Je pense Alors, On a deux épisodes de Noël. On oui, il y a les albums de Noël aussi. Ouais, voilà. Une coupe d'affaires. Oui, euh, euh, oui, oui. Ouais. Donc, euh, sinon, c'est le scénario du pire qu'on trouve sur euh, toutes les plateformes. Le dernier épisode marche vraiment, vraiment bien et euh, on a il plein de super bon. Ah, ouais Ah, ouais, bah tant mieux. vraiment voilà. aimé. Et euh, ça, c'est donc euh, l'idée du scénario du pire. Ce sont des vraies histoires criminelles, mais qui feraient des bons films. Et franchement, la dernière histoire qu'on raconte, qui est l'histoire de Stephen Morin ça ferait un tellement bon film. Donc, euh, j'espère <laughs> oh, oui, qu'un producteur va entendre euh, l'épisode et se dire Ah, ouais, ouais, là, je pense qu'on tient vraiment un, un très bon scénario de film. Quoi. <laughs> All right, et merci beaucoup encore pour euh, cette, cette balade meurtrière de, de cette semaine. C'était encore plaisir. un plaisir d'enregistrer en, avec toi, Philippe. On se laisse là-dessus. Merci à, à Silly qui est dans le, dans le chat et qui envoie les, les liens justement de, ah. des, euh, des, des réseaux, où ce que vous pouvez nous suivre. Puis on, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Merci, bye.